Salut les connectés! Aujourd'hui on se retrouve pour préparer une recette formidable avec ce qu'il y a dans ce bocal que j'ai préparé dans ma précédente vidéo, celle sur la fausse viande dont vous pourrez retrouver le lien dans un coin comme ça ou comme ça ou comme ça à la fin de la vidéo. Voilà, hop, je vous ouvre le bocal, j'ai dit que ça pouvait se conserver dans son bouillon, donc tu vois, là, j'en ai conservé une partie, voilà. Alors, j'ai décidé de vous préparer ça à la poêle, comme ça, avec des haricots verts et des champignons, un mélange de champignons à la con, des haricots verts de base, voilà, on va pas avoir la marque, j'espère, et puis deux, trois petits trucs pour que ça ait un peu plus de goût. Alors, je vais commencer par couper ça. Alors, pendant ce temps, on fait chauffer la poêle. Alors, une fois que ça s'est émincé, on va les mettre direct dans la poêle bien chaude. Poêle que j'avais préchauffée avant, évidemment. Hop. Ensuite, les champignons. Hop. On va mettre les champignons. Alors, on va laisser transpirer tout ça un petit peu avant de rajouter du gras, parce qu'il y a pas mal de flotte encore, avec le seitan et les champignons. J'avais déjà mis au fond à griller du poivre. Je vais en remettre un petit coup de moulin, parce que j'aime bien le poivre. Voilà, on laisse bien suer. Oui, que ça ait bien sué. Ah, c'est pas comme la recette d'hier, c'est pas 5 minutes et puis tu mets dans le truc là. Faut surveiller un peu sa casserole. Alors, on va mettre un petit peu de sauce soja. Je vais mettre un petit peu de sauce soja sucrée. C'est une recette improvisée, il n'y a pas de proportion, il n'y a rien du tout. Apprenez à inventer dans la vie. Et un petit peu de sauce soja salée, un peu plus là pour le coup, et un peu d'huile. Hop, un peu d'ail semoule. Un peu de persil congelé. Ouais, bonne dose de persil congelé. Hop. Et pour finir, on rajoute les haricots verts. Hop. Cuisine compliquée, attention. Il y en a pour cher. Ah oui, ça coûte cher la cuisine vegan. On se ruine, si vous saviez. Hop, on va remonter un peu le feu. Et voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Je vais vous faire un truc encore plus classe. Là, je vais te mettre une photo du plat, de ce qu'il y a là-dedans, mais en plus beau. Et... T'as vu comme c'est beau? Allez, c'est cadeau. Alors, si t'as aimé cette vidéo, bah tu mets un pouce bleu. Et puis, bah après, tu fais quoi? Tu t'abonnes. Et si t'es pas encore abonné, et puis tu vas voir le reste, à droite à gauche sur la chaîne, il y a 2-3 autres playlists, 2-3 autres sujets que j'aime aborder.